Bonjour mes petits essais, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour ouvrir quelques petits achats que j'ai eu au meeting de Disney qui se trouvait à Bruxelles ce week-end, enfin ce dimanche. Ouais, dimanche. Du coup voilà, je vais vous présenter un petit peu tous les achats parce que j'ai fait des petits achats et on a joué aussi à la... une loterie, enfin non c'est... voilà, je vous expliquerai ça après. On va déjà vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai acheté une petite figurine comme ceci, Tum Tum. Voilà, on va la dépaler pour vous la montrer. Je suis désolée, mais j'ai un peu souci de mon bras. C'est compliqué, mais on fait avec. Ça, c'est une boîte pas facile à ouvrir. Il y a du papier collant dessus. Hop, voilà. C'est bien, mais c'est bien calé. Regardez ça. Hop, voilà. Je l'ai eu. Enfin. Voilà, c'est une petite posture Tum Tum comme ceci. Là, ici, on a Tic et on a Tac. On a Mickey, Mini, Daisy. Et Donald qui est juste là. C'est une belle figurine. Voici. Et voilà. Très 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 fragile. Parce que tout ça, ça plie. La baguette là qui plie. Voilà. C'est du... c'est du plastique. Mais très beau. Figurine Tum Tum que je sais pas où je vais mettre encore. Voilà, pour après, on a, c'est une tombola, voilà, tombola. Une tombola, j'ai gagné des pins, s'il veut bien faire le focus. Je vais juste peut-être retirer le plastique, des pins Toy Story 4. Dessus, on a fourchette, on a bunny, j'espère que ça reste dedans. Oh, il y en a un qui est ouvert. Hop, avant que je me pique. Je sais pas si vous allez bien voir. Bien sûr, il veut pas faire le focus. Ah, voici. Il y en a un qui est marqué des choses dessus. Mais je sais pas. Et en plus, ils sont pas faciles à retirer. Des petites pochettes. C'est Woody. On va essayer d'avoir celui-là, le plus gros. Fais le focus. Pourquoi tu veux pas faire le focus? On va essayer. Il veut pas. Hein. Voilà. Parce que je suis trop loin. Je refais un petit peu. Voilà. Je le remets dans son petit sac. Je vais tout vous montrer séparément parce que c'est mis dans des sacs. Alors ça, j'ai aussi gagné à la tombola. C'est un papier lookbook papier. Voilà, avec tous des petites trucs comme ceci. C'est joli. Des petits stickers. Enfin, je sais même pas, c'est pour faire du pen painting. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire avec moi. Mais je trouve ça joli. Du coup, voilà. Après, je me suis acheté le carnet que je voulais depuis très longtemps. C'est un vieux, hein, mais... voilà. De Tum Tum. Il est trop beau, j'aime bien. On a une petite page comme ceci. Puis avec tous les Tum Tum. Et je vous montre, c'est des lignes avec les dessins de Tum Tum juste en dessous. Il est trop beau, j'adore. Voilà. Après, j'ai acheté, comme toujours, un livre Disney, Cendrillon. Voilà. Le roman du film de la bibliothèque de Rose. Voilà. C'est un que j'avais déjà, que je voulais, que j'avais vu. Voilà. Il se rajoute à ma collection. Après, j'ai gagné une boîte
Anna, Elsa et je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus tout le monde. C'est juste une petite boîte vide. Comme ça, on pourra mettre des petites choses dedans. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre. Je sais pas, je verrai bien. Après, j'ai pris une gourde comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais juste ici. Là. C'est fait clochette. Et on ça se dévisse. C'est un peu spécial celle-ci. Et hop. Voilà. On va retirer l'étiquette. Ce sera à la poubelle. Voilà. Hop. J'aime bien les belles. C'est les belles. J'aime bien les couleurs. Mais je sais pas si vous allez voir. On voit la fée clochette là. Ici. Ça c'est la clochette là. Avec du truc dedans, ça serait mieux. Mais voilà. Après, ce que j'ai encore gagné à la tombola, un bic que j'aime bien avec Jasmine. Voilà. Je vais mettre toutes autres jambes. Jasmine. Voilà. Du coup, il va aller là. Jasmine, je ne l'avais pas encore. Après ça, je sais pas. C'est aussi un bic Disneyland Paris avec un monstre dessus, mais je sais pas qui c'est. Voilà. C'est un bic. Hop, avec quelques bouchons. Voilà. Hop. Après, j'ai un autre bic que j'avais échappé à ma vigilance. Enfin, je crois que c'est un bic, ouais. C'est mini. C'est un tout petit bic comme ceci. Hop. Voilà, avec écrit mini dessus. Ça, je retire, moi. Hop, bien sûr, je fais tomber. Et marqué Disneyland Paris. Enfin, Disneyland. Disney. Et il est marqué mini dessus. Je sais pas si vous allez vraiment voir. Non, je pense pas. Voilà. Il est trop beau. Simple, mais trop beau. Avec un bête capuchon. Hop. Mon bête, il peut même pas. Non. Qui va aller. Avec tous mes béquilles juste là derrière. Voilà. J'ai encore des béquilles. Au fond du sac. Celui-là, j'ai Buzz. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit bien Buzz quand même. Buzz. Hop. C'est un bec aussi comme ça. Hop. Bon, ça, tu bouges pas. Après. Après, on a joué encore à la tombola pour gagner lumière. Voilà. Je ne l'ai pas encore sortie. Je la voulais. Depuis longtemps. Elle est lourde. Je pensais pas ça. Je l'avais vue à Primark. Mais j'ai pas eu le crédit de l'avoir. Voilà. Du coup, voilà. Je l'ai gagnée à la tombola. J'ai un sac de vie. Hop. Elle est sortie. On m'a volé ma. Je vais le mettre juste là. Heureusement que j'ai le lit à côté. Pour mettre en plus avec ma patte. Un peu. Oh oui, c'est lourd. Voilà, monsieur. Petite lumière. Elle est trop belle. C'est vrai que c'est pas. Je pensais que c'était plus léger que ça. Je pourrais la mettre sur ma table. Pour les fêtes. Avec mes deux petites lumières dessus. Voilà. C'est trop joli, j'adore. Je crois que je vais peut-être lui trouver une place pour la mettre, qu'elle décore ma maison. Elle est trop belle, j'aime bien sa figure, elle est trop belle. Par contre, avec ma patte un peu, j'ai mal. Trop belle, j'aime bien les couleurs, c'est beau. Voilà. En attendant, je vais la remettre dans son petit plastique. Ah oui, j'ai pas ce. J'ai pas l'autre. Oh ouais. On arrive. Je vais te mettre là. En arrivant, j'avais soif. Et il faisait une promo. Si vous prenez du cacao avec des tasses, c'était 8, ça revenait à 8 euros. Le cacao plus les tasses. Le cacao venait presque à rien.
rien du tout. Et je me suis pris des petites tasses comme ceci par deux. Et c'est Bambi. Ils sont trop chouettes. Et c'est bien parce que ceux-ci, on peut les mettre là-dessus. Voilà. Du coup, j'ai bu mon cacao là-dedans. J'ai plus qu'à les laver, redonner un coup dessus. Voilà, je vais les mettre là. Après, à la tombola, j'ai gagné ça. Voilà, je sais vraiment pas c'est quoi. Je voulais l'ouvrir avec vous. Je suis pas fan de Star Wars. Je vais juste passer un œil dedans. J'ai chopé mes ciseaux, j'aurais plus facile. Voilà. Hop. Ah ouais, d'accord. C'était un jeu Star Wars. C'était un jeu. Du coup, il y a un petit sac comme ceci qui est trop beau aussi. Qui sent, ça pue. Avec des petits trucs plastiques. En fait, si j'ai bien compris en regardant le... C'est pour faire des montages. Regardez, vous montez avec les personnages de Star Wars, comme ça. Et j'ai toutes les petites figurines qui sont juste là. Et je ne les connais pas, mais je sais que justement d'entre vous les connaît. Regardez. Essayez d'en retirer plusieurs. Il y a celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est le même. Ah non, c'est... Oui, c'est le même. Puis, j'en ai un tout bleu comme ça. Je sais pas voir bien le personnage dessus. J'en ai un blanc. Ça, c'est T2, le robot et je sais plus comment. Puis on en a, c'est une tête de mort. Voilà, et c'est pour les mettre dessus en fait. Pourquoi pas, oui, ça pouvait être fait pour ceux qui aiment bien. Voilà. Moi, je suis pas fan du tout. Mais pas du tout. Après, encore à la tombola, j'ai gagné un porte-papier en Toy Story. Ou ben une petite photo, il y a une pince là. Voilà, je sais pas, vous allez bien voir. Je suis pas fan de la figurine. La tête, elle est pas trop belle, mais voilà quoi. Ça peut faire une belle décoration quand même. Avec une belle photo. Voilà. Après, j'ai gagné deux Tum Tum dans une machine à grappin. Voilà, je pense pas que je les avais. Faudra que je regarde. Du coup, j'ai un petit cochon. Ça doit être Dembo, mais je suis pas sûre. Voilà, le petit personnage. Voilà, tout simple, mais trop mignon. Et après, lui, je pense que je ne l'avais pas. C'est Gus Gus, si je me trompe pas. Voilà. Il est trop chouette avec ses petites oreilles. Avec son petit costard rouge, son petit chapeau. Et voilà. Et en plus, il y a les étiquettes. C'est ce qui m'arrange. Voilà. Après, c'est des papiers que je vais remettre sur mon bureau pour regarder. Après, je me suis pris une petite fée clochette. Comme ceci. Qui est trop belle, la petite boîte. Voilà. Alors, on l'ouvre comme ceci. Ça m'ennuie un peu, mais... Je trouve que la boîte est trop belle. Après, on a des petits. Bien sûr, petits plastiques toujours sur les côtés. Pour bien tenir. Oh, que ça sent bon. Du coup, dedans, c'est une bougie. Elle est trop belle. Regardez. Avec le petit fée clochette, mais elles sont trop bon. C'est pas bougie parfumée végétarien. Utilisez-vous à porter.
Je sais pas si je vais l'utiliser, j'hésite. Je ne sais plus à quel goût c'est. Par contre, je cherche s'il y a le goût. Lorsque vous aurez allumé cette poussière de fée, fermez les yeux, laissez-vous enchanter. Opérez cette parfum mélangé de transporter dans le vent d'autres pots. Le poids. Non, il n'y a pas de. Non, mais ça. Mais ça sent trop bon. Et en plus, il y a des petits papiers qui expliquent en plusieurs langues comment faire pour pas. C'est 100% de soja. Comment les fabriquer. Ça, c'est chouette. Je regarderai ça plus approfondi. Mais je trouve que la boîte. Elle est trop belle, je vais la garder pour mettre une boîte à secret ou je sais pas quoi. Si j'hésitais à en prendre une deuxième pour utiliser une et garder l'autre. On verra, peut-être que plus tard je m'en rachèterai une. Ouais, je sais pas si vous allez voir les écritures, si vous allez voir, faites pause. Voilà. Après ça m'ennuie parce que j'ai oublié quelque chose. Mais voilà, après j'ai, ça c'est mon chéri qui a craqué, enfin qui a craqué pour moi bien sûr. En fait j'ai lui a parlé que je voulais cette année, que j'aimerais bien ouvrir le calendrier Toum Toum sur la chaîne tous les jours à partir du mois de décembre. Ici on en a trouvé un calendrier Toum Toum, mais c'est un ancien qui est de 2017 si on se trompe pas. Je ne sais pas. Parce que j'ai pas la date sur le calendrier. Il est juste là. Voilà. C'est un ancien, logiquement. Alors, on aura. On l'ouvra en décembre. Avec vous. J'ouvrirai celui-là et le nouveau. Logiquement. J'attends pour l'ouvrir. Ce qui va bientôt être en vente. Du coup, je serai sur le. Mais j'ai trop envie d'ouvrir pour voir qui je vais avoir, ça m'ennuie. Là, en ouvrant juste un tout petit peu, je vois qu'il est vert. En pliant juste là sur le truc, là, on voit qu'il est un peu bleu. Et ça m'ennuie parce que j'ai envie de... Ou alors je le ferai peut-être en novembre. Je sais pas, je vais voir. Je verrai bien si celui-là, je l'ouvre pas avant avec vous. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je l'ouvre avant ou si vous voulez que j'attende le mois de décembre pour l'ouvrir avec vous. Il y en aura deux du coup. J'aurai deux Toum Toum à ouvrir. Du coup, je ne sais pas. Je verrai bien. Là, j'avais commandé quelques petits achats favoris. Et la personne qui me l'a mis, regardez qu'est-ce qu'elle a mis comme les étiquettes. Il est trop beau cette étiquette d'Anna et Elsa. Faut pas me tromper. C'est assez. J'en ai quatre. L'autre, je l'ai oubliée. Elle est juste là derrière. On va commencer. Ah oui, il y a encore des petits trucs avant que je vais essayer de vous montrer. Je n'avais pas vu. Il y avait encore celui comme je vous ai montré tantôt, le petit truc comme ça. Avec Tigrou, regardez qu'il est beau. C'est trop mignon. Winnie. Winnie l'ourson. Voilà. Après, j'ai des petites boîtes de stickers. Voilà, enfin ça c'est le derrière. Bon, je sais pas à quoi ça ressemble. Hop.